La victime est inconsciente. Nous allons maintenant réfléchir sur une étude de cas. Donc essayez de répondre à ces questions. Pour vous, qu'est-ce qu'une perte de connaissance? Comment identifier une perte de connaissance? Quels sont les signes, les causes? Pourquoi est-ce qu'on peut perdre connaissance? Quels sont les risques? Est-ce que c'est dangereux? Et puis, que feriez-vous face à ce cas de figure? Vous aurez l'occasion de proposer vos solutions lors de l'évaluation dans le questionnaire qui se trouve en bas de page.